Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer votre mot de passe pour une caméra Hikvision ou NDVR Hikvision ou NVR Hikvision ou tout matériel venant de Hikvision. La première des choses que vous devez faire, c'est de télécharger le logiciel qu'on appelle SEDP. Quand vous le téléchargez, vous connectez votre caméra ou votre NVR ou DVR dans le même réseau. Ensuite, vous l'ouvrez, vous sélectionnez la caméra, donc vous cliquez à la droite là où se trouve cette flèche. OK? Quand j'entre mon mot de passe, j'ai dit modifier. La vie, on dit que le mot de passe est incorrect. Donc, après 6 fois de tentatives, ils vont bloquer mon device. À partir d'ici, vous cliquez mot de passe oublié. Ensuite, vous cliquez export. Vous allez exporter un fichier qu'on appelle XML file. Donc, je vais sauvegarder mon fichier dans ce dossier. Comme vous voyez, exporter. Donc, ça, c'est le fichier en question. C'est ce que je vais envoyer à Hikvision à partir de leur site Internet. Allez dans le site de Hikvision.com. Vous cliquez sur « Aide ». Ensuite, vous venez sur Reset mot de passe. Donc, vous devez entrer votre nom votre nom, prénom, votre email d'adresse, la région, le pays. Donc, à partir d'ici, on va ajouter notre fichier. Ça, c'est le fichier. Donc, ici, on dit d'entrer le numéro de série de votre DVR ou votre caméra ou NVR. Donc, on va aller au SEDP Tool. Voilà, numéro de série. Je vais copier. Je le colle ici. OK. Donc, on dit d'entrer la date de votre matériel. OK. On vous montre l'exemple ici. Donc, on va aller encore au SEDP Tool. Vous trouvez le temps. Faites comme ça. Vous cliquez ici. Comme vous voyez ici. OK, vous entrez ce code de vérification. Vous cliquez soumettre. Maintenant, il faudra attendre, ils vont vous répondre avec un code. Donc, quand ils vont vous envoyer le code, vous le copiez, vous venez encore, mot de passe oublié, comme ça. Vous mettez le code ici, vous entrez le nouveau mot de passe, vous cliquez confirmer. OK, j'espère que cette vidéo en servira à quelqu'un qui en a besoin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt. Ciao.